Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Zelda Tears of the Kingdom. Alors, on s'était laissé après avoir fait les trois sanctuaires. Donc, comme je le disais, là en fait, ma vidéo est en train de se faire monter. Donc la vidéo de plus ou moins 1h, 1h30 est occupée à être montée. J'ai essayé de couper pas mal de choses après. Je peux pas vous dire si ça va être comme vous l'espérez, parce que évidemment toute l'exploration que j'ai faite, ben je l'ai plus ou moins laissée. J'ai essayé de couper au moins les parties où je mourrais en boucle, mais je voulais au moins laisser ça pour avoir votre avis. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le montage est occupé à faire, donc s'il y a des petits lags, je suis absolument désolée. C'est peut-être dû au fait que la vidéo se fait. Et après, une fois qu'elle sera faite, je vais séparer chaque sanctuaire vers la playlist des sanctuaires. Donc voilà, là je vais essayer de faire un épisode de 30 minutes. J'aurais pu couper l'épisode d'1h30 en plusieurs parties, j'aurais pu le faire. Mais bon, voilà, je voulais au moins avoir votre avis sur l'exploration, si ça vous intéressait ou pas, pour savoir si je continuais à faire comme je le faisais ou pas, tout simplement. Donc voilà, ici on est au temple du temps, donc on va continuer notre petite quête principale, et une fois qu'on aura fini la quête, qu'on devra passer à autre chose, on fera les courants. Ça, alors c'est fait. Je suis bientôt dead, mais à part ça. Voilà, la porte close terminée. Donc. Rétrospective, ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet, afin de le faire revenir vers son emplacement précédent. Ce mouvement inversé peut être interrompu à tout instant. Rétrospective, le pouvoir de remonter le cours des déplacements d'un objet. Et Zelda a disparu sans laisser de traces.
J'ignore ce que tout cela signifie, mais je pense que ce que tu as vu était l'écho d'une puissante volonté de sa part. Tu as reçu ce pouvoir, il y a forcément une raison. Cette porte est là pour mettre ta vitalité à l'épreuve. Et comme tu as perdu presque toutes tes forces, j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Mais il reste un sanctuaire sur cette île, tu devrais pouvoir y trouver une lueur bienfaisante. D'ailleurs, chaque sanctuaire en contient une. Que tu les réunis et que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi la tablette. Montre-moi la tablette pour voir. Elle possède une fonction de téléportation. Tu vois ce symbole, ces symboles bleus sur la carte? Tu peux te rendre sur place à tout moment. Sers-toi de la téléportation pour te rendre au dernier sanctuaire. Eh bien, on va faire ça tout de suite, hein. Ceci est un générateur de cellules de batterie. Tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange du cristaux solo. Non, ça va, j'ai 0 cristaux, donc... Ça paraît sans faire, hein.
plus. Ce que j'aime bien, c'est que comparé à Breath of the Wild, on n'a pas de limitation d'utilisation. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Breath of the Wild, après qu'on utilisait le pouvoir, il fallait qu'il se recharge. En tout cas, pour les bombes, c'était comme ça. Là, maintenant on va pouvoir retourner au temple du temps. Parce que là ça va être une partie exprès pour la partie principale. Ouais, je vais quand même aller voir vite fait. Ça va y arriver. Ce bouton là. Là. J'adore ce nouveau gameplay. On va gagner ma base, oui. Une boule là-bas aussi. Comment que c'est ? Enfin bref. Whatever. On est un peu en train de planer sans vraiment descendre. Alors on peut les diriger comme ça. Moi je savais pas. La première fois. Si je saute ici, est-ce que je tombe dans l'eau? Voilà. C'est un fail. C'est un fail monumental. Sauf nous en arrière. Oh, quoique, non, en fait, ça va être proche par là. Oh, vous avez l'habitude, hein. Depuis le temps. Vous savez très bien que je sais pas jouer. Bref, on s'en fout. Du coup, c'est par où? Enfin, je suis incapable de mourir bêtement dans l'eau. Ça va, il y a de l'eau. Heureusement que c'est de l'eau, c'est ça. Bref. J'ai bien un truc. Ah non, je voulais prendre le raccourci, mais non. Il y a une raison. Juste qu'il y avait des moments de pas. Hop, 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 hop
Qui a surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces lueurs. Là, on est obligé d'avoir le réceptacle de cœur. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Réceptacle de cœur. Ce très précieux objet vous permet de récupérer un peu de l'énergie vitale que vous ont fait perdre les miasmes. Son nombre de cœurs augmente de 1. Va et ramène la paix dans ce monde. Enfin, dans le monde. Pardon. À un quart de cœur près, quand même. C'était pas du tout calculé. Ah. Yokatta. 扉を開くことができたようだね。正気に蝕まれた貴殿の体はまだまだ万全ではないが、祠で得られた祝福の光の力でわずかだが正気を浄化することができたようだ。過ごせた時間は短かったが、君と話せて嬉しかったよ。 ゼルダの言った通りだった。あの子をよろしく頼むよ。 N'empêche, hein, la race des sonos, je les trouve trop magnifiques. Hein. Franchement.
22 minutes. Ouais, on va s'arrêter là. Il y a une raison pour laquelle je tiens absolument à m'arrêter ici. Donc dans l'épisode prochain, je vais faire tous les korogus. Tous les korogus, aller choper ce coffre là au passage. On va faire tous les korogus avant de continuer la suite. Il y a une raison pour laquelle je fais ça maintenant. Enfin, je pourrais très bien descendre. Continuer à aller choper où est-ce qu'elle est d'ailleurs, le truc là, la tour là-bas devant le château, mais je vais faire ça après parce que j'ai envie de vous montrer que c'est tout à fait possible de le faire à ce stade là de l'histoire. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, ça rattrapera le long épisode de la dernière fois. Voilà, donc prochaine fois on va faire les korogus. Allez, sur ce je vous dis à la prochaine. Bye bye.